Patrick Poivre d'Arvor est actuellement accusé de viol, d'agression sexuelle ou de harcèlement par près de 30 femmes. Malgré cela, le journaliste de 74 ans est toujours très séduisant puisqu'il a récemment trouvé un nouvel amour. Comme le rapportent nos confrères de Paris Match, l'ancien présentateur du journal télévisé de TF1 s'affiche ouvertement avec sa nouvelle compagne. En février 2021, face à l'ampleur du mouvement d'IS MeToo, Florence Porcel a trouvé le courage de porter plainte pour viol contre Patrick Poivre d'Arvor. Dans un long récit poignant, l'écrivaine raconte ses rencontres avec le journaliste de TF1, qui aurait abusé d'elle à plusieurs reprises. Bien que l'enquête ait été classée sans suite faute de preuves, l'écrivaine a déposé une nouvelle plainte en novembre dernier. Grâce à son témoignage, elle a pu briser l'omerta qui planait sur le journaliste, puisque ce sont aujourd'hui 27 femmes qui l'accusent de viol, de harcèlement ou d'agression sexuelle. Dans un reportage d'Envoyé spécial diffusé sur France 2, nous avons d'ailleurs pu découvrir des témoignages choquants, tandis que le journal Libération a également publié plusieurs témoignages de plaignantes. Patrick Poivre d'Arvor est fier d'avoir retrouvé l'amour. Si le journaliste se fait discret et préfère jouer la carte de la discrétion au quotidien, il n'est pas question pour lui de se terrer seul chez lui. Il a trouvé une oreille attentive qui l'aide à traverser la tempête, car il a une nouvelle femme dans sa vie. Comme le rapportent nos confrères de Paris Match, l'ancien présentateur du journal télévisé a retrouvé l'amour. Après la une de Libération, il était fier, comme l'ont rapporté plusieurs personnes présentes, de traverser la comédie française main dans la main avec sa dernière conquête. Les tourtereaux ont été aperçus récemment lors de plusieurs événements, s'embrassant langoureusement, peut-on lire dans le magazine Apparaître le jeudi 7 avril 2022.